La Chambre de commerce de l'île d'Orléans a mis en place une plateforme transactionnelle en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du milieu orléanais. Je vais en discuter aujourd'hui avec la coordonnatrice de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans, Véronica Keith. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. D'abord, comment ça se passe là, au niveau du déploiement de ce nouveau service-là à l'île d'Orléans? À date, ça se passe super bien. Je te dirais que là, on entame notre quatrième semaine. Donc, on est vraiment content. Le projet a pris un envol inespéré. On est vraiment satisfait là, à date là, de ce qu'il y en a. Avant de pouvoir mettre en place ce nouveau service, quels étaient les efforts qui devaient être déployés sur le terrain? Bon, écoute, ça a été un gros travail au niveau de la conception d'un site web, à prime abord, puis par la suite de trouver une logistique pour effectuer la livraison. Donc, on s'est associé avec des partenaires, donc M. Stanislas Garel de Ruby Web, qui a été notre concepteur web. On s'est associé également avec la boulangerie Blouin, qui gère notre logistique de livraison, mais également la logistique des corps. Puis moi, de mon côté, bon, ben, je suis au niveau service à la clientèle et tout ce qui touche aux commerçants. Donc, tout le reste, là, la comptabilité, des choses comme ça. Là. Donc, comment ça fonctionne, là? Ça prend la forme d'une boutique virtuelle en ligne, mais pouvez-vous élaborer un petit peu plus à ce sujet-là? Oui, bien, dans le fond, tu peux te connecter sur le site web achatlocal.io. Il y a tous les logos qui représentent chacun des différents commerces qui se situent à l'île. Donc, c'est un petit peu un tour de l'île virtuelle. Par la suite, on clique sur un logo, on a accès à un éventail de produits de ce commerce-là. Donc, ça peut être des produits périssables, non périssables. On sélectionne ceux qui nous intéressent, ça s'ajoute automatiquement au panier. Mais on peut magasiner à travers tous les différents commerces. On crée un seul panier, puis par la suite, on effectue un seul paiement. Et tout cela livré le samedi suivant la commande, à la maison directement. Et est-ce que c'est un service qui s'adresse essentiellement aux résidents de l'île d'Orléans? Oui, pour l'instant, on est uniquement à Lille. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est une question de logistique. Donc, pour l'instant, on est vraiment affecté pour les gens de Lille. N'empêche que si vous êtes à l'extérieur de Lille, vous connaissez quelqu'un de Lille, je vous suggérerais de faire livrer chez lui. Ah, c'est une bonne solution en soi. Et à l'heure actuelle, est-ce que la réponse des résidents est bonne? Oui, elle est au-delà de nos attentes. Nous, on avait des prévisions un petit peu là, avant de partir le projet. Puis à chaque semaine, on a de plus en plus de commandes. On est vraiment satisfaits. Les consommateurs, pardon, sont au rendez-vous. Et au niveau des commerçants locaux, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont adhéré à cette nouvelle façon là, de distribuer leurs produits? Oui, on a parti le projet avec, je dirais, 8 commerçants avant de le mettre en ligne pour les consommateurs. Puis à ce jour, on est rendu à une trentaine. Donc, c'est vraiment une belle variété. Puis, on a également une belle variété de produits. Donc, on n'a pas juste des commerçants qui font des produits, comme je mentionnais tout à l'heure, périssables. On a aussi des fermes qui offrent des légumes. C'est sûr que les fruits vont arriver, mais on a aussi les commerces qui offrent des produits préparés ou même des mets préparés. Et les premières commandes ont eu lieu au début du mois d'avril, si je ne me trompe pas? Oui, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais la première fin de semaine d'avril, il y a eu une livraison. Ça m'amène à vous demander, là, justement, est-ce qu'il y a des aspects qu'on aimerait peut-être peaufiner dans les prochaines semaines? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de demandes à l'extérieur de l'île. Donc, c'est un sujet qu'on va devoir regarder de notre côté, qu'on aimerait pouvoir répondre à cette demande-là. Mais à cette étape-ci, je ne peux pas trop m'avancer sur le sujet. On ne connaît pas tous les détails. Oui, puis il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est le rôle de la boulangerie Blouin. C'est quoi le rôle spécifique de l'entreprise qui semble être vraiment à part entière dans le projet? Oui, bien, à la base, Boulangerie Blouin effectuait déjà des livraisons à Lille. Okay. Donc, on s'est associé avec eux pour que ses livraisons se joignent à nos livraisons. Donc, lui, il fait le tour de l'île déjà. Donc, à ce moment-là, bon, mais il fait simplement bonifier avec nos commandes. Mais lui, il est également sur la plateforme. Donc, les gens peuvent acheter ses produits aussi, qui peuvent être ajoutés à leurs commandes qu'ils reçoivent tous les samedis. OK, fait que c'est un jumelage qui est efficace. Oui, absolument. Lui, il avait déjà une logistique de livraison en place. Donc, nous, on est venu bonifier avec notre offre à nous. D'autres partenaires sans qui ça n'aurait pas été possible de mettre ça en place rapidement comme ça?
Oui, ben en fait, il y a la MRC qui nous a soutenus beaucoup dans le projet. Il y a également la Caisse des Jardins de Lille. On parle également de la députée Émilie Foster. Puis on a également été soutenus par la députée Caroline Desbiens. Évidemment, la Boulangerie de Blouin qui est un partenaire. Puis notre concepteur web aussi qui est un partenaire essentiel. Puis à la suite, on a eu des petites politiques de confidentialité qui ont été élaborées avec une firme d'avocats, MTA Avocats. Bien, Donc, c'est les partenaires félicitations, hein, pour principaux. ce beau projet-là. Puis en terminant, est-ce qu'il y a, d'autres informations qui sont importantes de savoir avant de placer une commande, là? Bien, en fait, je vous dirais que le site est assez convivial. Donc, que vous soyez à l'aise ou pas à utiliser Internet, ça se navigue quand même assez bien. Le paiement aussi, on offre le paiement via PayPal ou directement avec la carte de crédit. Donc, vous n'avez pas de compte à vous créer ou rien. Donc, c'est vraiment simple, vraiment efficace. Vous recevez automatiquement un courriel de confirmation, puis le samedi suivant, c'est livré à votre porte. Donc, c'est vraiment un système qu'on trouve très, très simple, très agréable à utiliser pour tout le monde, qu'on soit à l'aise ou pas avec le type de paiement en ligne, là. Véronica, merci beaucoup pour cette discussion. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'était Véronica Key, qui est coordonnatrice de la Chambre de commerce, là, qui est venue nous fournir plus de détails sur cette nouvelle plateforme transactionnelle, achat local.io, c'est ça? Point io, oui, achatlocal.io. .io, merci beaucoup pour la précision.